Il y a quelqu'un dans l'écran. Toc toc toc. Toc toc toc. Il y a quelqu'un. Comment tu vas? Allez là, dépêche-toi. Bah, elle a commencé la vidéo, t'as cru quoi? Allez, salut. Fais sérieux là, pour une fois. Non. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette petite vidéo. Oui, je sais, je vous ai un petit peu délaissé cette semaine. J'arrive pas à faire le même mouvement. Petit peu délaissé cette semaine. Bon, à vrai dire, hein, comme je l'ai dit sur Insta, si tu n'es pas sur Insta, j'avoue, tu n'es pas au courant. Je me suis focalisé sur ma création de cette semaine. Putain, je viens de voir que ma femme avait acheté des M&M's. Bah oui, mais c'est pas pour toi. Ah ok. Et voilà, bref, focalisé totalement sur mon gros jack. Donc si tu es sur Insta, tu as peut-être pu voir que j'ai quasiment fini à part la tête et la chauve-souris. Oui, on va montrer ça après. Oh. Elle est surexcitée. Depuis qu'on est rentré là de chez Nose, elle est surexcitée. On va pas vous faire un retour de Nose. Non, c'est mais juste bon vous montrer. Regardez ce magnifique. Moi qui l'ai crouvé. Regardez, c'est un peu Dieu de Disneyland. Bon, on l'a pas payé 1€ finalement. J'espère que t'as saigné tes oreilles. J'espère que voilà. C'est un officiel, hein, il vient de Disneyland. Hein. Non mais sérieusement. À 6,99€. Qui il n'y en avait plus chez nous dans notre maison. C'était le dernier, donc à Colombier. Mais qui? Qui a déjà trouvé du Disneyland Paris? Non mais c'est surtout ça. Ouais. On habite quand même à 900 km de Disney. Ouais. On a trouvé un officiel Disneyland Paris chez Nose. Ouais, c'est la première fois qu'on trouve un truc comme un Disney. Puzzle, donc c'est un puzzle si tu n'avais pas vu. 1000 pièces. Voilà. Un puzzle 1000 pièces et un Disneyland Paris 25 ans quoi. Bah, j'aurais bien aimé que ce soit un Noël, mais bon, après c'est pas grave. Mais c'est fou. Franchement, je... Comme l'a montré, parce que, à vrai dire, moi je suis. À part. Ah, moi j'ai. Parce qu'en fait, ils ont fait des arrivages de jouets et tout. Donc je regardais potentiellement. Voilà. Et du coup, j'ai. Bah, non, au début, j'ai vu le 1000 pièces panoramique mini. Mini, ouais, mais non. Mais après, moi j'aime bien qu'ils soient tous dessus. Et du coup, je. Parce qu'il était à 4,50€, donc ça faisait pas cher pour 4,50€. Et après, je vais de l'autre côté et je vois celui-là. Oh, je suis au sein de la Disneyland. Donc du coup, on a pris celui-là. Voilà, moi j'étais focalisé sur les pop. Ouais, bon, à vrai dire, on n'en a pas pris, mais il y avait Rafiki, il y avait Dembo et il y avait Aladdin. Alors, je suis dégoûté parce qu'on l'a déjà. C'est pas le même. On a le Aladdin en Prince Ali, Prince à la Babois, mais du film. Ouais. Et là, c'était celle du dessin animé. Moi, je préfère celle du dessin animé. Mais vu qu'on a celle du film, on s'est dit, on va pas. Non, il faut déjà qu'on trouve Jasmine avant d'en racheter. Voilà, et il y en avait une autre. Et il y avait donc Rafiki du film, ouais, Dragon Ball Z et le Scar du film. Ouais, et Scar. Et le après, il y avait plein de. C'est quoi, ah des oui, mini les mini-pop. Ouais, c'est vrai. À, bon, après, 2,50€, ça reste. Mais après, si on en prend une, il faut prendre toute la collection. Et moi, je préférais le puzzle. Il y avait Thor, Thanos, ouais. Captain America, je crois. Il y avait Fourchette, il y avait Buzz et la fermière. Bref. Et en tout cas, bah, Corinne a trouvé celui-ci. Ouais, et moi. Et je vais le faire cet après-midi. Et moi, j'ai trouvé des petites histoires avec les marionnettes. Bon, c'est pas du Disneyland, c'est pas du. Fais attention, t'en as fait tomber. Mais c'est des histoires quand même qui restent voilà, dans du Disney. En fait, c'est des petites histoires comme ça. Donc là, c'est la lampe et le génie. Là, j'ai Barbe Bleue, la petite sirène et Jack Skellington et le haricot magique. Et en fait c'est une de mes collègues hier qui m'a dit ouais, il y a mon chéri qui est parti à Nose, il a trouvé. Donc du coup elle a pris l'autre partie et moi j'ai pris cette partie là voilà. Bon, le Aladdin elle l'a pris, mais moi je le voulais quand même parce que bah Aladdin c'est bon, en fait c'est Aladdin, c'est chez nous voilà. Donc la petite figurine c'est chez, bah, chez nous, c'est notre voilà, c'est ton truc bah Aladdin c'est voilà, ça te tient à cœur Aladdin. Donc voilà, on a pris ça et ouais. Sinon bon plan nourriture, les glaces Mars Snickers pour combien?
Alors le gros carton de 24 glaces, il est à 5,99€. 5,99€. Donc ça fait 25 centimes la glace. Ça fait 25 centimes la glace. Il y a les potatoes aussi, le gros sachet de combien? 2,5 kg. Pour moins de 2€. Ou 5 kg à 2,50€. Ouais, bon, enfin bon, voilà, ça, la viande à kebab, les 500 grammes pour 3,50€, donc ça, ça fait pas cher. Et on a pris quoi? Il y a pas mal de trucs, ouais, de nourriture, voilà. Bon, mis à part ça, on a reçu un petit colis cette semaine. Alors désolé, on ne l'a pas ouvert en direct live YouTube en mode vidéo. On l'a ouvert sur Instagram, en tout cas, Caro, on te remercie. Alors, tu nous as envoyé deux tasses. Elles sont mais magnifiques, voilà, on te l'a dit, voilà. Et des petites meringues, et donc on l'a reçu, nous sommes samedi, on l'a reçu vendredi. Voilà ce qui reste sur tes meringues. Heureusement que tu as marqué à consommer immédiatement, hein. Rapidement, immédiatement. Je ne sais plus ce que tu avais écrit exactement. Mais voilà, il en reste trois pour te dire qu'elles sont bonnes. Donc c'est des meringues au citron, à la framboise. Et... délicieuse. Je vous montre les deux petites tasses qu'on a reçues. Alors comment dire qu'elles sont... C'est une beauté sans nom. Et en plus c'est dans la collection qu'on a celle-ci. C'est la même collection. Donc on est plutôt content. Elle nous a dit qu'ils avaient au moins 20-25 ans. Donc on est très heureux. Et en plus voilà, tu voulais qu'elle arrive dans notre collection sur ce mur, et on est très content de les avoir reçus et déjà en bon état, et avant très bien s'incorporer sur cette sur ce mur, voilà, sur cette collection de malades. Bref, donc une Winnie, franchement elle est de toute beauté, voilà. Et la deuxième, et le pire c'est qu'on en voulait une absolument parce qu'on n'avait pas de Donald. Et en fait on en voulait une, la dernière fois on s'est dit avec Corinne, il nous faut une Donald. Et donc on a reçu une Donald avec Riri, Fifi, Loulou sur une île avec Daisy. Voilà, en tout cas on te remercie, elles sont magnifiques. Voilà, hop. Est-ce que je vous montrerai pas un peu les créas que j'ai fait cette semaine? Hein, j'ai enchaîné plein de trucs. Je sais ce que vous attendez la déco d'Halloween. La déco elle est pas totalement finie, l'entrée est finie, le couloir, voilà, est plutôt, ce qui est chiant c'est que les toiles d'araignée elles n'arrêtent pas de tomber. Donc voilà, l'entrée au pire je vais vous mettre une petite vidéo annexe, ou demain je vous ferai une vidéo. Demain, c'est brocanche. Bref, sinon, les cadres des méchants sont juste ici. Donc là, hop. Donc, ceux-là et ceux-là. Voilà, mis à part ça, en fait, dans le salon, on n'a pas grand-chose. Parce que bah, ça va être le gros jack. Bon, à part un gros tas de citrouilles ici. Ouais, voilà, il y a rien de fou. Le principal que j'ai focalisé, c'est vraiment l'entrée, le sas, on va appeler ça le sas entre les deux portes et l'entrée. Et encore, et après j'ai mon gros jack qui doit arriver dans le salon. Bon, je vous le montre d'ici parce que je peux pas aller plus loin. Il y a du vêtements. Et donc voilà. Donc là, vous avez, hop. Donc vous avez le haut du jack avec la veste et tout ça. Donc tout est fait main, en bois, donc toute l'armature est en bois. Le costume, j'en suis plutôt fier, il est en tissu, hein, et que j'ai peint à la main toute la semaine. C'est ça qui m'a pris beaucoup plus de temps. Et surtout lui faire son costume bien propre à sa taille, tout ça. Ça a été un petit délire. Là il me reste dessus deux choses à faire. Là... tête et c'est pas une araignée, c'est une chauve-souris qui lui sert de nœud papillon. Je vais, je pense, aujourd'hui faire ça avec le puzzle. Je pense que je vais le faire cet après-midi. 1000 pièces, ça va se faire une journée, ça. Oui. Ça se fait une... Ah oui, puis moi, ouais, celui-là, il me... Ça se fait une après-midi. Ouais, mais ouais, faut absolument qu'on se trouve celui-là de Noël. Moi, je veux celui-là de Noël. Donc ça part directement en mode time-lapse de ce puzzle. Et peut-être le... Alors, je vais faire
Timelapse. Déco d'entrée. Déco d'entrée. Ah oui, tu vas faire l'entrée. Montrer la déco d'entrée. De l'entrée. De le sas. Et ensuite, si j'ai fini, le jack. Fini. J'ai fini. Tu mets des toiles d'araignée ici ? Ouais, ouais. Allez, c'est parti. Sur ce que j'avais prévu, pour la simple et bonne raison, c'est que ce puzzle, on voulait absolument le finir dans la journée, dans l'après-midi. On a mis 7 heures avec Corinne pour le faire. Voilà, il y a un peu Aya qui est venu nous aider, tout ça. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas un timelapse de tout le puzzle. Hein. Vous avez eu la fin, mais c'était impossible. Filmer 7 heures, sachant qu'il faut changer les batteries, tout ça. Et on voulait absolument, c'était un truc de fou, on voulait absolument le finir. On l'a fini, on est content de notre exploit. Je sais pas en fait si c'est pas un exploit en soi de faire un puzzle de 1000 pièces en une demi-journée. Mais en fait je sais pas, je me rends pas compte parce que les autres je les ai fait sur plusieurs jours. Mais là à peine l'acheté, à peine fait, va falloir qu'enchaîner les autres maintenant parce qu'on en a 3 autres de 1000 pièces. Bref. Mis à part ça, vous avez pu voir les vinyles. J'ai fait 3 vinyles cette semaine, voilà, en parallèle de mon jack. J'avais envie de, je vous l'avais dit en début de, on va dire début de mois que j'avais ça prévu. Ensuite, donc j'ai ma tête qui est juste ici. Bon, fatalement, elle n'est pas non plus finie. Hein. En fait, l'intérieur est encore humide, donc ça m'empêche de bien couper droit au niveau des yeux. Voilà, parce que je veux absolument lui faire un regard vide, un regard à l'intérieur, comme si tu pouvais voir à l'intérieur de ses, voilà, t'as vu. On est là. Voilà. Et mis à part ça, bon, bah, c'est pas encore sec, donc il faut que ça attende. Et en plus, c'est pas très solide à ce niveau-là. Bon, bah, à mon avis, il va falloir encore une petite semaine pour... il va falloir que je la finisse dans la semaine. Ça va me prendre encore quelques jours le soir d'avoir une belle tête bien propre. Voilà, petite vidéo. Demain, on va peut-être se retrouver pour une brocanche parce que demain, c'est dimanche. Et demain, c'est dimanche, c'est brocanche. Voilà. Sinon, je ne sais pas encore comment ça va se passer ces vidéos dans la semaine. J'espère que tu as plu. Oh putain. Oh là là, le gars, il parle, mais... on dirait qu'il n'a jamais été à l'école, quoi. Bref, allez, je vous fais des bisous, pouce bleu, tout ça, comme toi-même tu sais. Je vais arrêter de parler parce que je bafouille et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!